Écoutez, si vous n'étiez pas à la session d'introduction, je vous souhaite à nouveau la bienvenue pour cette septième édition d'Automation Day. Aujourd'hui et maintenant, dans cette session, on va parler d'omnicanalité avec Céline Lebrun et Frédéric Eugène L'Exact. Donc, Céline Lebrun est directrice des études et data science chez Isoscale. Alors, Isoscale, c'est une filiale depuis 3 ans du groupe La Poste, une grosse filiale, hein, 450 personnes spécialisées dans les études. Et Frédéric Eugène L'Exact est au sein du groupe La Poste, donc c'est un véritable postier, hein, un vrai. Et il fait la synthèse du meilleur du print, hein, qui est l'histoire historique des PTT du groupe La Poste, avec toutes les possibilités du digital qu'explore le groupe également. Et il en est le directeur de l'innovation et de l'expérience client pour l'ensemble du groupe. Frédéric, Céline, bonjour. 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 Céline, je te laisse introduire cette étude de l'Ipsos que vous avez réalisée avec Ipsos sur le levier CRM et la synthèse multicanale. Je le dis tout de suite à tout le monde, ça va vous redonner l'envie d'écrire à vos clients. D'ailleurs, il y a un petit teaser à la fin, je dis ça, je dis rien. À toi de jouer, Céline. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Céline Levrin, moi je suis directrice des études et de la data science donc chez Isoscale. Voilà, qui est une agence de data marketing et de communication. Et donc, on va vous présenter ce matin avec Frédéric le résultat d'un baromètre qu'on mène régulièrement avec Ipsos auprès des responsables CRM. Oui, et moi Frédéric, j'ai l'exact. Donc, comme l'a dit Stéphane, je suis un postier. Je travaille à La Poste sur tout ce qui va concerner l'expérience client et l'innovation autour du canal courrier, donc le canal historique. Et donc, je vous parlerai à la fin de tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui pour rendre compatible le canal historique dans les solutions les plus modernes. Donc, le groupe La Poste, vous le connaissez certainement, mais sur la partie solution marketing, donc Céline et moi, en fait, on fait partie de la même business unit qui s'occupe des solutions marketing, donc qui permettent de mettre en œuvre des solutions qui vont concerner évidemment le courrier et le catalogue adressé, mais aussi tout ce qui concerne les bases de données, l'enrichissement des bases de données, le traitement des bases de données, et une large palette de solutions qui permettent de faire de l'activation, notamment en digital. Donc, c'est à ce titre notamment que ce baromètre est conçu. C'est pour permettre et nous permettre et partager avec nos clients les tendances qu'il y a autour de l'omnicanalité et de l'utilisation de tous les canaux print et digitaux. Vas-y, c'est lui. Pardon, de l'attente. Frédéric, tu peux reprendre peut-être la partie si tu as une meilleure connexion. Donc, je reprends. Comme le disait Céline, on était au moment de l'étude, c'était en 2021, sur un contexte qui était un peu particulier avec des comportements qui étaient en forte évolution liés au Covid. Donc, on a eu beaucoup d'éléments qui ont été revus à ce moment-là. Évidemment, tous les magasins physiques ont essayé de passer sur des canaux digitaux. Les réseaux sociaux ont été utilisés de manière un peu plus intense. Les campagnes emailing ont été aussi développées. Et donc, ça a modifié quelque peu les structures d'utilisation et de constitution des campagnes marketing de manière générale. Du coup, les annonceurs ont revu un petit peu la composition de leur campagne marketing. Alors, je ne sais pas si... Non, Céline, c'est toujours pas bon. Donc, Frédéric, je te laisse continuer. Ouais, Céline, tu peux continuer à faire dérouler les slides, s'il te plaît. pardon. Ouais. On va continuer comme ça. OK. Donc, la constitution des campagnes omnicanales, on a retrouvé autour de l'étude que la majorité des campagnes étaient constituées d'un canal. Sinon, les campagnes sont constituées de deux ou trois canaux à 49%. Et plus loin, les campagnes sont constituées de... Hop, attendez, je vois mal à l'écran, je suis désolé. Donc, un canal pour 43%, deux ou trois canaux
pour 49%. 4 ou 5 canaux, et ça, évidemment, c'est pas la majorité, à 6%, et plus de 5 canaux pour une même campagne CRM à 2%. Donc, évidemment, on constate que les annonceurs ont tendance à articuler leur campagne autour de 2 ou 3 canaux d'utilisation pour une même campagne. Si on passe à l'étape suivante, qu'est-ce qui est utilisé en nombre de canaux pour les opérateurs qui ont des points de vente? On va utiliser plutôt 4 canaux. Donc, on va avoir tendance, évidemment, quand on a des points de vente physiques, à démultiplier et avoir un peu plus, avoir une constitution un peu plus importante du contexte de la campagne. Mais en moyenne, c'est 3,3 canaux qui sont utilisés pour les campagnes CRM. Donc, le canal magasin et le fait d'avoir un réseau physique en parallèle du canal digital incite à avoir une utilisation d'un peu plus de canaux. Quand la marque n'utilise que le canal digital pour faire sa commercialisation, on utilise un petit peu moins de canaux. On est à 4,1 canaux. Quand la marque ne dispose qu'un site marchand, que d'un site marchand. Donc, on voit qu'on a une constitution qui est un petit peu moins importante et une densité un petit peu moindre de l'utilisation des différents canaux. Quels sont les canaux utilisés? Donc, évidemment, je ne vais pas créer de surprise ici, c'est le canal email qui est utilisé le plus dans la relation avec les clients à 60%. Donc, c'est le canal majoritaire. Le réseau social est un canal qui a fortement augmenté lors de ces dernières années dans les différentes éditions du baromètre. Et donc, pareil, il est utilisé à 60% des annonceurs qui nous ont répondu. Et de manière un petit peu moindre, l'utilisation du site Internet en tant que canal de communication, en tant que canal de personnalisation de la relation client est positionnée à 56%. Donc, on voit quand même qu'il y a une majorité des opérateurs qui utilisent des canaux digitaux et essaie de les mixer pour obtenir la meilleure performance possible. Si on zoome sur le canal CRM numéro 1, donc c'est l'email. On sait tous les avantages et les inconvénients de l'email. C'est une diffusion de messages qui permet évidemment une grande souplesse, une grande fluidité et qui permet d'avoir des hauts niveaux de personnalisation et de ciblage. Donc, c'est idéal parce que, en plus, à coût minime, on arrive à créer de la relation et à entretenir cette relation. Évidemment, la limite peut-être de ce canal, c'est que, il est presque pas assez cher. Donc, il est très, très utilisé par tous les acteurs. Et donc, a certainement une tendance à la saturation. En termes d'utilisation du canal email, on a principalement le canal email à vocation promotionnel, 66%. On a un canal email qui a une vocation newsletter à 37%. Et de manière vraiment moindre, un canal email qui a vocation à faire du transactionnel, donc les relevés de points, les communications sur la partie contractuelle des programmes de feed, etc., à 19% d'utilisation du canal CRM. 19% des annonceurs qui nous ont répondu. Donc, on voit que le canal email, il est utilisé principalement à but promotionnel et d'entretien de la relation client et de manière complètement moindre pour la partie transactionnelle. Sur les réseaux sociaux, le canal réseaux sociaux, il est utilisé vraiment pour créer de la relation, des liens personnalisés, avec des recommandations pour les ambassadeurs. On essaye au travers des réseaux sociaux d'entretenir la relation avec ses abonnés ou ses fidèles, avec des éléments qui entretiennent le fait d'appartenir à une communauté, le partage d'expériences, le partage d'avis clients, la gestion des litiges aussi et la partie SAV qui est gérée au travers des réseaux sociaux. Donc, c'est un canal qui est utilisé vraiment, qui est évidemment en forte croissance, qui était sixième position des derniers baromètres qu'on avait pu faire en 2014 et donc qui est là numéro 2 avec 60% d'utilisation. C'est aussi un canal qui est beaucoup utilisé, on le verra par la suite sur la partie parcours client, qui est beaucoup utilisé pour la partie prospects, gestion des prospects. Et enfin,
beaucoup utilisé aussi pour la partie drive to web. Si on regarde les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés, évidemment Facebook en 2021 ressortait fortement, donc ce sera intéressant, on va refaire une passe de cette étude en 2023. Il sera intéressant de voir quelles ont été les évolutions, parce que on sait que sur les réseaux sociaux, ça bouge beaucoup, mais en 2021, 85% des utilisateurs étaient utilisés ou avaient des campagnes ou lançaient des campagnes sur Facebook. LinkedIn, donc pour la partie plutôt B2B, à 46%. Des réseaux un peu plus... donc Instagram, évidemment, à 40%. Twitter, YouTube, et qui est certainement quelque chose qui est en train de monter autour de 13-14%. Et puis des choses un petit peu plus confidentielles, TikTok, Pinterest, autour de 2-4%. Donc ça, c'est quelque chose qui est en forte évolution, donc qui est vraiment, encore une fois, qui sera très intéressant d'analyser par la suite. L'utilisation en canal CRM numéro 3, l'utilisation du site Internet en tant que canal de communication, en tant que canal de relation client. C'est un élément central aujourd'hui, et ça pareil, moi j'attends beaucoup de la prochaine étude pour voir ce que ça va donner au niveau de l'utilisation des sites internet. Vous le savez certainement, on est dans une tendance où la donnée first party devient clé avec la raréfaction des cookies. Et donc, tous les annonceurs sont incités à travailler l'onboarding sur l'onboarding first party, de manière à être directement en lien avec les données déclarées par les clients sur le site internet. Et donc ça, c'est un élément clé. Le site internet et l'espace client en priorité sont des éléments majeurs pour pouvoir récolter de la donnée first party, que ce soit de la donnée print, enfin de la donnée physique ou de la donnée digitale. Et donc, l'espace client est en lien avec de la gamification pour accéder à l'espace client, pour se loguer systématiquement sur les sites. Ça devient un élément clé de la stratégie CRM, et du coup, les annonceurs sont fortement incités à travailler et à optimiser les parcours qui dirigent vers ces espaces. Un point important pour La Poste et un point qui nous interpelle toujours, c'est que finalement, si on fait le résumé de tous ces canaux de contact et toutes ces possibilités d'interaction entre les annonceurs et les clients, on voit que l'emailing est majoritaire, réseaux sociaux en numéro 2 quasiment à égalité, le site internet et le travail sur le site internet est hyper important pour faire de l'activation et avoir de la data first party. Mais le quatrième canal qui est utilisé finalement et reste utilisé par les annonceurs, ça reste le canal courrier. On verra après qu'il y a plein d'intérêts finalement à mixer ces canaux digitaux avec ce canal courrier print. Et de pouvoir finalement avoir des stratégies qui mixent bien le on et le offline. Derrière, en décrochage, le SMS à 28%. Donc le SMS, ça, comme le courrier, ça a des coûts qui sont un peu supérieurs aux canaux initiaux sur la partie digitale. Et donc forcément, et en plus, ça nécessite aussi d'avoir des opt-in SMS, qui est pas toujours facile à avoir. Mais c'est un canal hyper efficace et qui est utilisé encore par un peu plus d'un quart des annonceurs. Les applications web, les push notifications, un petit peu derrière à 23%. Le point de vente en tant que canal de communication et canal d'interaction à 19%. Et les centres d'appel, évidemment, mais là plutôt sur la partie SAV, relations clients. Le courrier dans tout ça. Le courrier, ça reste quand même une audience élevée, puisque 49% des Français lisent le courrier publicitaire, lisent au moins un courrier publicitaire au cours d'une semaine. Donc, l'avantage, entre guillemets, de ce canal-là, c'est un canal un peu moins saturé que les canaux digitaux. Donc, forcément, quand on va consulter sa boîte à lettres, c'est un acte déjà sur lequel on est concentré. On fait a priori pas autre chose. On n'est pas en train de lire trois notifications en même temps. On va être concentré sur son canal. Et puis, c'est un canal qui reste efficace, puisque 64% des destinataires déclarent qu'ils se souviennent d'avoir lu le courrier qu'ils ont reçu dans la semaine, en fait. Donc, on voit que le courrier a des indicateurs de performance qui sont hyper performants
et qu'il est intéressant, encore une fois, d'instiller au sein de ces chroniques de marketing. Pour illustrer, on a fait des analyses. Alors, Céline en parlerait, c'est dommage qu'elle ne peut pas s'exprimer aussi bien qu'on voudrait, mais elle en parlerait bien mieux que moi, puisque dans le cadre de l'étude du baromètre, moi j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Donc, on a fait une étude complémentaire qui est Paper Emotion avec Illigo. Et Paper Emotion, c'était l'idée de pouvoir comparer finalement quelles étaient au sein des différents canaux de communication. Que ce soit digitaux ou print, quels étaient les vecteurs d'émotion. Parce que on considère que l'émotion, c'est le vecteur qui va permettre de générer de la mémorisation, et la mémorisation, c'est un vecteur qui génère aussi, qui favorise la transaction derrière. Et donc, si on arrive à aligner ces éléments-là, créer de l'émotion, créer de l'attention, parce que ça crée de la mémorisation et parce que derrière, ça va favoriser de la transaction, on a réussi finalement à générer une équation gagnante dans sa stratégie marketing. On a fait faire des analyses donc dans le cadre de l'enquête Paper Emotion pour comparer finalement quelles étaient les émotions d'un client, d'un prospect, lorsqu'il recevait une notification sur un réseau social, un email ou un courrier. Et donc, pour mesurer finalement quelle était l'intensité de cette émotion, on a fait faire une analyse qui permettait de mesurer le rythme cardiaque de l'eye tracking pour permettre de déterminer finalement quels étaient les vecteurs intrinsèques d'émotion qu'on pouvait repérer à la lecture de ces différents messages sur ces différents supports. Et le résultat de ça, indique que qu'un courrier pardon, génère à peu près deux fois plus d'émotions, deux fois plus d'activité corporelle, donc que ce soit le cœur ou l'activité des yeux, que la lecture d'un email. Et de la même manière, sur les réseaux sociaux, un courrier génère à peu près quatre fois plus d'émotions, donc de réactions du récepteur, qu'un push sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, le courrier, parce qu'il est, il fait appel à des sens un peu différents, une touche, on a une sensation, il a une aspérité, le papier, on peut le poser, c'est quelque chose de physique, génère beaucoup plus d'émotions, on voit au travers de cette étude que le digital. Et donc c'est là où on a tendance à recommander de mixer print et digital dans les chroniques marketing. Ensuite, si on fait une analyse et on met en corrélation finalement ces différents canaux et le cycle de vie des clients, on va voir que les annonceurs et les acteurs CRM ont tendance à placer finalement ces différents canaux d'interaction et ces différents canaux d'activation à différentes étapes et à favoriser tel ou tel canal à différentes étapes du parcours client. Donc, je vais les dérouler dans l'ordre. Par exemple, sur la partie recrutement, évidemment, on a des problématiques de coûts et de ROI des campagnes et des plans d'action. Et donc là, majoritairement, les acteurs favorisent tout ce qui est digital parce que les coûts sont un petit peu moins élevés. Ensuite, sur la partie fidélisation, là, on commence à avoir une problématique un petit peu différente. On a envie de vraiment donner des gages de fidélisation à nos clients, à nos meilleurs clients. Et du coup, il va y avoir un mix qui est un peu plus important entre la partie email, réseaux sociaux et le canal courrier. Ici, sur cette étape-là du parcours, revient en force, je dirais. Vraiment aujourd'hui, la tendance forte, c'est d'utiliser le canal courrier sur la partie fidélisation. De la même manière, si on continue à dérouler le parcours, la partie relation client, donc là, on peut être par exemple sur des problématiques de réclamation, de réassurance suite à un incident, ce genre de choses, on va avoir tendance à utiliser certes les canaux email, réseaux sociaux, mais aussi le canal courrier en support, parce que ça peut parfois faire la différence et être favorable pour certaines typologies de clients. De la même manière, sur la partie client premium, là, on voit que le courrier ressort assez fortement parce que c'est un canal dont les clients perçoivent que c'est un canal sur lequel ils ne sont pas sollicités tous les jours. Et du coup, le fait de recevoir pour un client premium une invitation à une soirée VIP avec un courrier adressé a vocation à créer de l'émotion et à être un élément favorable dans la relation client. Et enfin, on voit de plus en plus aussi le canal courrier
mixé avec les canaux email et SMS sur la partie relance et des abandonnistes. Donc, on a quelques exemples qui illustrent finalement les usages que les annonceurs peuvent avoir au niveau de chacun de ces, de ces, de chacune de ces étapes du parcours client. Donc, premier exemple, sur une problématique de recrutement, on voit donc Bonne Maman pour son programme relationnel va favoriser l'email et donc va permettre aux prospects qui souhaitent cibler d'être recrutés en capitalisant sur le fait de leur proposer des recettes exclusives qui utilisent les produits Bonne Maman. Donc, on sait qu'en plus, Bonne Maman, là, pour le coup, c'est une marque qui est dans l'imaginaire des prospects qui est installé. Tout le monde connaît Bonne Maman. Et là, ils essayent de favoriser quand même de la relation de qualité. On voit la qualité de la créa de l'email et la possibilité d'être invité à profiter des recettes au travers de cet exemple. Autre exemple, sur de la partie recrutement, on a Potager City qui est un acteur qui permet de recevoir des produits frais. Et donc là, on met en avant par un testimonial, par un témoignage client, le fait que on peut bénéficier de produits frais, délicieux, qui sont favorables pour la santé, etc., sur le réseau social. Donc ça va permettre éventuellement des repartages et de favoriser l'aspect communautaire en bénéficiant d'une offre promotionnelle. Donc là, on est sur la partie recrutement. Si on passe sur la partie fidélisation, Bonne Maman, Petit Bateau, pardon, a tendance à favoriser sur la partie fidélisation et relationnelle le canal courrier pour les jeunes mamans. Parce que aussi, donc là, on est sur un réseau de magasins physiques, des boutiques, et donc on peut faire bénéficier davantage à la fois sur le site internet ou dans les boutiques au travers de coupons promotionnels ou d'avantages promotionnels qui sont directement indiqués sur le courrier. Encore une fois, c'est un acte relationnel fort qui est ressenti et avec des images et un ton de communication qui va être avoir une valeur perçue très importante pour des jeunes mamans. Donc là, on privilégie le canal courrier sur ce genre d'aspect et on est là sur des invitations aux ventes privées. Donc, encore une fois, une vocation drive to store. Nespresso, donc pareil, une marque emblématique sur lequel on est là sur de la relance abandonniste et on va utiliser le canal courrier pour de la relance abandonniste. Pareil, Nespresso, c'est quelques boutiques physiques premium. On est sur de la clientèle premium de manière générale et donc on a intérêt à favoriser le canal courrier pour finalement mettre en relation, en lien et être cohérent entre cet aspect premium et le fait d'avoir un cadeau qu'on reçoit directement dans sa boîte à lettres et qu'on peut remettre à la caisse du magasin pour pouvoir bénéficier davantage. Et enfin, la partie relance des abandonnistes, où là, on a aujourd'hui une utilisation qui vraiment un retour du canal courrier, même si ici l'exemple c'est Sarenza sur la partie newsletter, mais on a un mix finalement, d'autant que sur la partie abandonniste, il y a un point qui est pas inintéressant, c'est que les annonceurs de plus en plus sont confrontés à des clients qui étaient des bons clients, mais qui se sont désabonnés. Et donc ils sont sur le canal email et donc ils sont plus contactables et donc on va avoir des annonceurs qui viennent à notre rencontre à la poste pour pouvoir utiliser le canal courrier et activer ou réactiver leur très bons clients au travers de campagnes qui sont email ou courrier, mais quand c'est pas possible en email, c'est possible en courrier. Voilà, j'en ai fini avec les exemples. Je vais basculer sur un peu l'ouverture de tout ça, vers quoi on se dirige pour l'omnicanal. Et comment on peut créer de l'efficacité unifiée entre le print et le digital. Parce que la problématique auxquelles sont confrontés aujourd'hui les annonceurs, c'est évidemment cette problématique de l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui confronté à une avalanche de sollicitations, que ce soit en print ou en digital, notamment en digital, pardon. Donc, on a aujourd'hui...
énormément de messages qui nous sont adressés. Il y a plus de 10 milliards d'emails qui partent chaque heure dans le monde. On a plus de 38 millions de sollicitations qui arrivent, ou 18 millions de sollicitations par SMS, 187 millions de courriels chaque minute dans le monde. Donc, comment on arrive à émerger dans cet ensemble de sollicitations? Comment on arrive à faire la différence quand on est un annonceur? C'est vraiment une problématique importante qui doit vraiment irriguer toutes les stratégies marketing. Et donc, encore une fois, on considère à la Poste que l'équation gagnante, c'est de d'abord capter l'attention. Donc, capter l'attention dans cette profusion de messages digitaux, ce n'est pas toujours simple, parce que on est finalement très vite, c'est des messages qui sont très vite, qui ont une durée de vie qui est très rapide. Et donc, créer de la mémorisation, ça nécessitait énormément de répétition. On le voyait tout à l'heure, quand un message courrier génère 4 fois plus d'attention qu'un message sur les réseaux sociaux, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on y a passé finalement un peu plus de temps qu'un message sur son fil d'actu Facebook. Quand on a été ramasser son courrier en boîte à lettres, on fait rien d'autre. On y passe un peu plus de temps et donc on va avoir une mémorisation qui est un peu supérieure, et c'est ça qui va favoriser l'engagement derrière. Et donc, à la Poste, on milite beaucoup, évidemment, pour que on mixe. Et donc, encore une fois, nous, on est provider, on fait du digital et on fait du print. Donc, on n'oppose pas du tout les deux streams de communication, mais au contraire, on a tendance à vouloir les associer parce qu'on considère que l'association des deux est le meilleur des deux mondes. Pour illustrer ça, on a pu faire une étude en plus, qui est une étude Illigo qui a été réalisée en 2021 sur un certain nombre de foyers, et qui permettait de démontrer que les décisions, donc là, si je passe pour la partie mise en action suite au plan de communication, pardon, la mise en action derrière les plans de communication, elle est surtout réalisée à domicile. Le domicile, c'est le lieu où sont débattus et décidés les projets pour les clients. Et donc, dans la réflexion que les annonceurs doivent avoir sur le meilleur plan omnicanal à créer, c'est comment j'arrive à être hyper efficace au domicile. Et arriver à être hyper efficace au domicile, on passe souvent par le fait d'avoir un canal ou un message qui est adressé en print. Et donc, pour nous, notre conviction, c'est que les marketeurs doivent créer des scénarisations qui intègrent les avantages du print et du digital. La difficulté, effectivement, si on se concentre uniquement sur le print et particulièrement sur le canal courrier, c'est que le canal courrier ne fait pas toujours partie de la palette des canaux proposés dans les plateformes omnicanales. Et donc, on est sur de grandes réflexions aujourd'hui sur la meilleure manière d'articuler et de créer une expérience courrier pour les marketeurs qui leur permette finalement d'envoyer aussi facilement des communications en digital et en print, et en courrier notamment. Et donc, pour ce faire, on est en pleine réflexion pour essayer de trouver l'articulation la meilleure possible entre cette scénarisation omnicanale et l'univers du print. Et pour ça, donc, c'est ce qui se cache derrière le point d'interrogation, on se propose avec Web Mécanique de faire un webinar la semaine prochaine, qui va détailler un petit peu ce qu'on pourrait proposer en associant les solutions La Poste pour faire du print facile, du print aussi facile que de l'email, si je résume, associé à une plateforme de marketing omnicanal. Beau teaser, merci Frédéric, merci Céline également si tu nous entends encore. Merci pour cette belle présentation. Effectivement, print is not dead, surtout associé à tout ce qu'on connaît du digital aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux et surtout le CRM et le marketing automation, donc ce sera l'objet du prochain webinaire. Belle introduction. Justement, en tendance, est-ce que tu vois, parmi les questions là, qu'on a, est-ce que en tendance, tu vois des changements aujourd'hui dans les actions qui sont menées par rapport au print? Il y a une participante, Frédéric Pommermoche, qui assiste ses clients sur ce type de campagne et qui en produit. Et toi, est-ce que tu vois ça comme quelque chose qui revient parmi les demandes? C'est un peu ce que je disais. Aujourd'hui, vraiment, cette économie de l'attention et
parfois des annonceurs ont des difficultés à avoir des gains additionnels sur leur cinématique digitale. Et donc, ils sont en recherche de finalement trouver des possibilités de modifier finalement la discussion marketing qu'ils ont avec leurs clients et leurs prospects. Et la question se repose, du coup, de faire du print. Sauf que avant, on faisait du print vraiment de masse. Et là, se pose finalement cette question de faire du print vraiment targeté, optimisé, associé, qui s'intègre finalement dans la chronique digitale. Donc, je donne un exemple. Est-ce que je suis capable aujourd'hui de dire je vais envoyer un courrier à une personne qui a cliqué sur mon email? Est-ce que c'est facile à faire? Ou comment je peux faire ça de manière très simple pour pouvoir créer une scénarisation la plus optimale possible? Et donc, finalement, on voit des acteurs qui arrivent vers nous en nous demandant des solutions autour de ces problématiques-là pour pouvoir insérer finalement du print au sein de leur chronique digitale qui est la chronique majoritaire aujourd'hui. Alors, j'ai toujours une frustration en tant que consommateur. Par exemple, quand j'achète un véhicule, je vais sur les configurateurs des véhicules et je reçois des catalogues print de voitures que je ne vais jamais acheter, juste sur le fait de la carte grise de mon âge, parce que je fais partie des gens qui doivent acheter ce type de véhicule de manière purement statistique. Et en revanche, quand je vais sur le configurateur, je ne reçois jamais mon catalogue derrière. Donc, il y a le lien entre le site web, l'automation qui est derrière, etc., et un imprimeur avec ses machines numériques qui pourrait m'envoyer un catalogue finalement en rajoutant les quelques options que j'ai oubliées pour m'inciter à augmenter la valeur du véhicule que j'ai envie de commander. Il n'existe pas vraiment aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vécu. Est-ce que c'est des choses que tu vois à émerger dans… Alors, je sais pas, je pense à l'automobile, je pense à l'immobilier pour les promoteurs, par exemple. Il y a une sorte d'évidence là-dessus. On peut jouer avec un configurateur, un chatbot configurateur. Est-ce que c'est des choses que tu vois arriver? En tout cas, c'est des choses… Moi, je suis archi d'accord avec toi. C'est des choses… Moi, je rêve d'avoir ce genre de sollicitation, en tout cas, et d'activation. On est au moins deux autour de la table. On est tout à fait capable de le faire. C'est techniquement faisable, effectivement, parce que tu as raison. Il faut savoir que l'industrie de l'impression a beaucoup évolué avec l'impression numérique, notamment, qui permet de faire des petites quantités hyper personnalisées, imprimées à coût raisonnable, on va dire. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles, de plus en plus possibles, encore une fois. Et donc là, presque, alors, c'est assez marrant parce que le use case que tu évoques là, c'est une vraie anticipation du webinaire qu'on fait la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu as vu les contenus, mais c'est une vraie… c'est la parole j'en parle en conférence depuis quelques années, donc j'ai hâte de le voir arriver en vrai. Alors, si je parle de l'industrie automobile, par exemple, on est assez souvent sollicité aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle du courrier augmenté. Et donc, du courrier augmenté, c'est quoi? C'est le fait de, sur un lancement de produit, par exemple, le lancement d'un nouveau véhicule, les constructeurs nous sollicitent très régulièrement pour pouvoir générer au travers d'un… Alors, donc, on envoie un courrier qui est relativement simple, qui dit, on va sortir un nouveau véhicule. Et pour avoir une expérience immersive et bien découvrir ce véhicule, vous pouvez scanner le QR code qui est sur le courrier. Et là, tu es propulsé dans un univers 3D, en réalité augmentée, qui permet de visualiser le véhicule de l'intérieur, de l'extérieur, pour te rendre compte de ce que c'est. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est extrêmement sollicité aujourd'hui. Une question qui a eu lieu, c'est est-ce que Bonne Maman loue ses bases de données? Mais j'imagine que les annonceurs, en général, ne partagent pas trop leur base de données. Puis je pense que ce n'est pas une très belle… je parle en tant que professionnel du marketing automation. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée de prendre des données qui ont été qualifiées par d'autres. Mais je pense que ce n'est pas du tout la vocation de leur programme relationnel, en tout cas. Ok, mais je m'en doute un petit peu. Non, mais même de manière générale, il vaut mieux qualifier ses propres bases de données sur des sujets via les outils que tu as présentés. Justement, l'interactivité des différents outils, c'est une bien meilleure solution. Le rachat de bases de données ou la location, c'est finalement profiter de la qualification des autres sur d'autres sujets. Est-ce que, dernière question, est-ce que les résultats de cette étude que vous avez proposée là, est-ce que vous la réactualisez régulièrement Donc, on s'est mis d'accord, c'est quelque chose qu'on essaie de faire tous les deux ans. Et on s'est mis d'accord avec Céline pour effectivement la refaire en 2023.
Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une réédition, une mise à jour en 2023. Et ça, moi, encore une fois, j'en attends beaucoup parce que ça nous permet vraiment de créer des axes de réflexion au sein de la Poste pour pouvoir coller au mieux aux attentes et aux usages des annonceurs, en fait. Ok, très bien. Alors la question sur la location des bases de données de Bon Moment, c'était pas est-ce que Bon Moment loue ses bases de données, c'est plutôt, enfin les loue aux autres, c'est plutôt est-ce que Bon Moment loue des bases de données à l'extérieur pour faire ses campagnes. J'avoue que j'ai pas la réponse. Je sais pas si Céline, tu as la réponse. Non, je l'ai pas non plus. Pour Bon Moment, en tout cas, je sais pas. Il y en a d'autres qui le font, qui pour de la prospection peuvent louer des bases de données. Hein, ça... Mais Bon Moment, je sais pas. Très bien. Eh bien. Écoutez, moi, ce que je retiens en tout cas de cette session, merci beaucoup Céline, merci beaucoup Frédéric. Ce que je retiens en tout cas, c'est que le courrier, plus de 64% de taux de rétention sur le print et 4 fois plus d'émotion qu'un post sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai arrêté mes posts sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, et je vais envoyer des courriers personnalisés maintenant. En tout cas, grâce à vous et la liaison avec Moore Mechanical Automation et le print de la Poste, je pense qu'on va pouvoir s'exercer. Donc ça, c'est une très belle nouvelle. Rejoignez-nous sur le webinaire le 13 octobre avec Frédéric sur ce sujet-là si ça vous intéresse. Et puis, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes à 10h15 pour la deuxième session avec Camille Coco qui va justement nous présenter les 6 tendances qu'elle a identifiées sur le marketing automation. Et là, c'est très intéressant aussi parce que il y a des notions autour du non-expert qui vont vous intéresser. Je ne veux pas trop le teaser, mais en tout cas, c'est très intéressant à voir par rapport à ce que vous connaissez déjà aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous dans une grosse quinzaine de minutes sur la session avec Camille Coco. Céline, Frédéric, merci infiniment pour votre temps, pour votre expertise et votre partage. Merci à tous les deux. Et à très bientôt.